Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici à l'Olympia Stadion de Berlin. C'est le grand jour, nous sommes le dimanche 14 juillet. Et oui, c'est le grand jour car évidemment c'est le jour de la finale. Il y a 235 ans, la prise de la Bastille pour renverser la monarchie en France. Eh bien, en ce dimanche 14 juillet 2024, soit deux siècles plus tard, l'équipe de France, oui l'équipe de France, a l'occasion d'être sacrée championne d'Europe pour la quatrième fois de son histoire. Ici, à l'Olympia Stadion de Berlin, dans un stade qu'il connaît bien, ce stade magnifique, évidemment à l'Allemande, qui va être, donc accueillir cette finale. Il avait accueilli, il y a 18 ans, la finale de la Coupe du Monde 2006. La France y avait participé et avait perdu sur ses terres contre l'Italie, et contre sur ses terres allemandes. Aujourd'hui, c'est un esprit de revanche, double esprit de revanche, puisque c'est contre le Portugal. Évidemment, c'est un très gros match, puisque regardez cette image que vous verrez pendant les 15 prochaines minutes. Eh bien, c'est tout simplement le Graal, l'affiche au sommet de cette Euro 2024. Vous voyez les notations très similaires. Seulement un point de défense de général en plus pour l'équipe de France. Bref, c'est l'affiche de rêve. C'est vraiment le gros match à ne pas louper dans cette Euro 2024. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Très grand jour pour notre France, pour notre patrie. Mais évidemment, très grand jour dans ce championnat d'Europe, dans ce roleplay. Euro 2024 que vous avez suivi pendant un mois déjà. Merci à tous d'avoir suivi cette Euro du 14 juin. Puisqu'on rappelle, hein, l'Olympia Stadion, c'était notre point de départ. Hein. Le match ouverture Allemagne-Écosse ici. Où la main avait emporté 1-0, et bien là, voilà, là maintenant, on referme la boucle, ici à Berlin. Donc merci à tous d'avoir suivi ce roleplay, du début jusqu'à la fin, d'avoir vu évidemment les vidéos, et merci aussi de vous être abonnés, parce qu'évidemment, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre avec, mais sinon, on va donc passer au match. Exactement, passons au match, et merci encore une fois à tous ceux qui ont regardé. France-Portugal, c'est donc la grande finale. Alors vraiment, c'est le match, c'est le Graal, hein, parce que pourquoi c'est le Graal? Parce que déjà, on a une affiche entre les deux derniers champions d'Europe. Rendez-vous compte, les deux derniers champions d'Europe vont s'affronter. Donc le tenant du titre, l'équipe de France et l'équipe du Portugal, champion d'Europe en 2016. C'est un remake de la 15e finale du championnat d'Europe. Donc voilà, c'est-à-dire la finale de l'Euro 2016. On se rappelle tous parce qu'évidemment, on avait pris une très très grosse douche froide. Exactement. C'était en 2016, cette finale où on pensait l'équipe de France capable, en fait, de l'emporter. Mais malheureusement, on est tombé de haut parce qu'évidemment, on était à domicile. Évidemment qu'on était à domicile et qu'on devait gagner cet euro. Malheureusement, on n'a pas réussi puisque, le Portugal nous livrer une très très belle opposition. Et malheureusement, on a perdu sur ce but d'Eder. Exactement, le but d'Eder qui nous a fait tant de mal dans cette finale en 2016. C'était au Stade de France cette finale, et donc là, maintenant, l'équipe de France donc tient sa revanche. Et au passage, hein, cette finale de l'Euro 2016 perdue 1-0, c'est la dernière confrontation à l'Euro. Et donc, les deux équipes se retrouvent à l'Euro cette fois-ci en finale. Donc, quand même, il y a un motif d'espoir. Exactement, une motivation de revanche surtout, et surtout cette victoire en finale contre le Portugal peut avoir beaucoup de signification. Ça peut prouver que la France domine le football européen, ça peut être preuve de que la France est encore au sommet. Voilà, c'est tout simplement magnifique que de voir ces performances-là. Et là, évidemment, ce soir, avec une victoire, une quatrième couronne, ça peut être quelque chose de fou. Exactement, hein, on rappelle, il y a 3 ans, pour ceux qui n'ont pas suivi le roleplay, l'équipe de France a remporté l'édition roleplay de l'Euro 2020. Là, c'est l'édition roleplay 2024, et la France est en finale en tant que tenant du titre face à l'ancien champion d'Europe, donc le duel des deux derniers champions d'Europe, évidemment. Et l'équipe de France qui face à son histoire, donc on vous l'avait dit, quatrième titre en jeu. Peut-être l'équipe de France qui pourra remporter un quatrième titre dans son histoire. Ça pourrait être l'équipe la plus titrée de l'histoire du championnat d'Europe. Ça serait tout simplement historique de le faire. Exactement, on espère que les hommes de Deschamps y arriveront. On leur souhaite bonne chance pour cette rencontre, mais oui, ils sont capables de le faire. Ils nous ont fait une très très belle campagne, très très solide campagne. Donc forcément, on a confiance en eux. On sait qu'ils peuvent le faire. Ils sont capables de tout, les hommes de Deschamps. L'équipe de France peut décrocher ce titre. On le rappelle, en 2020, hein, ça a été plus compliqué que ça, hein. Ils ont terminé troisième, ils ont fait l'exploit, oui, je dis bien l'exploit d'avoir arraché ce titre. Donc voilà, c'est vraiment
c'est vraiment totalement dans les cordes des hommes de Didier Deschamps, même si en face, voilà, il y a l'équipe du Portugal championne du monde, donc ça sera pas simple. Exactement, on va parler de l'équipe de France, hein, tant qu'on y est, mais oui, l'équipe de France, face à son histoire, l'équipe de France, il peut remporter un quatrième titre. Personne ne l'a fait. Dans le tableau de l'équipe de France, l'Espagne, enfin, il y avait l'Allemagne. Ou l'Espagne, qui étaient tous les deux à 3 titres chacun, et qui voulaient forcément mettre une 4e couronne, et qui ne peuvent pas. C'est la France qui a l'occasion de le faire. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grand s'ils veulent faire les Bleus ce soir. Exactement, l'équipe de France pour rentrer dans l'histoire du football européen, comme de l'histoire du football français. Enfin voilà, ça peut être vraiment une soirée historique ce 14 juillet 2024 pour le football français et pour l'équipe de France. Donc on espère évidemment que tout sera réuni pour le faire, parce que voilà, l'équipe de France fait une très belle campagne depuis le début. Voilà, il y a eu un match, les deux derniers matchs ça a été plus compliqué certes, mais voilà, l'équipe de France doit faire comme elle a fait depuis le début de la compétition, et elle doit justement bien s'armer de beaucoup de sa force qu'il a amené justement jusqu'à cette finale. Exactement, et aussi éviter l'épisode de l'Euro 2016. On rappelle, hein, cette rencontre, c'était une rencontre de la Coupe du Monde. C'était un 8e de finale, Portugal-France, remporté 1-0 par le Portugal sur un penalty de Ricardo Horta. Mauvais souvenir pour l'équipe de France, hein, qui a tant de mal à accrocher une deuxième étoile quand même depuis hein, l'arrivée des Deschamps. Exactement, il y a eu voilà, cette troisième place très encourageante à la Coupe du Monde 2018. Et malheureusement, c'est une nation plutôt décevante. Et surtout, quand on voit le Portugal bien à l'arrivée remporter cette Coupe du Monde, c'est un petit peu plus décevant parce que voilà, la France pouvait clairement... sur les performances, c'était pas, on pouvait pas aller au bout de cette Coupe du Monde, mais malheureusement, mais sur le papier et sur la qualité de cette équipe, on aurait pu arriver au bout de cette Coupe du Monde, chercher cette deuxième étoile, mais on ne sera pas le cas. Peut-être en 2026, mais évidemment, il faut se qualifier pour ça. Mais le plus important d'abord, c'est ce soir, ce sera cette finale de l'Euro pour avoir une 4e couronne européenne. Ça serait du jamais vu, donc il faut le faire. Exactement. Et si toutes les déceptions. Alors, je parle de ce match de Coupe du Monde. Vous avez le résumé que je peux vous mettre, évidemment. Donc, le lien qui va s'afficher maintenant. Donc, vous pouvez évidemment voir ce résumé de ce 8e de finale qui avait opposé la France et le Portugal. Évidemment, il y avait ça. Il y a aussi également, eh bien, l'équipe du Portugal en face. Donc, qui a été championne du monde suite à cette confrontation. Donc on en reparlera après, hein, mais d'abord l'équipe de France qui doit le faire, elle doit essayer de vaincre ses peurs de remporter ce match. Exactement, elle doit le gagner ce match, ça doit être quelque chose de fort. Mais voilà, l'équipe de France s'avance quand même sereinement parce qu'elle a des bons éléments. Je pense à Mbappé, le meilleur buteur, enfin c'est pas le buteur, mais c'est le meilleur buteur de cette Euro, 6 réalisations. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable d'avoir le meilleur buteur de son côté. En face, évidemment, il y aura Ronaldo qui a 5 réalisations. Donc voilà, ce sera un match dans le match dont on parlera plus tard. Exactement. Mais oui, Mbappé, donc forcément, c'est un des joueurs sur lesquels Didier Deschamps peut compter ce soir, évidemment, pour décrocher la victoire de ce championnat d'Europe qui serait si importante après... Eh bien, c'est les illusions à la Coupe du Monde notamment, et aussi en 2016. Évidemment, l'équipe de France aussi, alors on parle de Mbappé, mais Mbappé qui a raté un penalty lors du match. Alors évidemment, je sortirai le match un peu plus tard. France-Allemagne, la demi-finale, où la France a imposé 1-0 sur un but de Colomani à la 8e minute. C'est donc qui a été le but victorieux, et Mbappé qui avait raté un penalty. Exactement, ça a fait tâche dans la rencontre. Mbappé qui a été mis en échec par Neuer, mais voilà, évidemment, on sait que Mbappé c'est un grand compétiteur. Il va réussir à oublier cela, cette mauvaise passe puisqu'il n'a plus marqué depuis le match contre la Suisse en 8e de finale. Donc évidemment, Mbappé va effacer ça. Il va revenir mieux dans cette finale pour évidemment oublier ces deux matchs où il n'a pas marqué. Exactement, Mbappé qui avait été très solide, hein, durant la phase de groupe, même si l'équipe de France a maîtrisé sereinement sa phase de groupe. Là maintenant, on est dans le vif du sujet, cette finale de la Coupe du Monde de l'Euro. Alors voici donc cette tier list que je vous affiche, qu'on avait mise, vous rappelez-vous, lors du match d'ouverture des favoris. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je pense qu'elle est plutôt réaliste par rapport à ce qu'on attendait dans cette Coupe du Monde, dans cette Euro, pardon. Juste un petit peu décevant. Voilà, je parle surtout de la Croatie qui a été dans les moins favoris, mais qui a été très décevante. La Belgique aussi, que j'avais mis dans cette case-là, mais qui a été plutôt décevante dans cette Euro. C'était un petit peu dommage. Mais voilà, vous voyez, hein, dans cette tier list, eh bien, voilà, l'Angleterre qui était tout en haut, malheureusement, qui s'est fait éliminer en huitième, elle a affronté l'Espagne qui s'était fait elle-même éliminer en quart. Et vous voyez que dans les favoris, eh bien, il y a la France et le Portugal qui sont donc en finale. Donc voilà, je vous le dis, il y a un mois, c'était il y a un mois en fait. Voilà, je les mettais favoris. Et bien voilà, les voici qui sont donc en finale. Donc ça a été plutôt bien pronostiqué de ma part. J'en suis plutôt content. Alors aussi, on va parler des outsiders. Et oui, des outsiders. Donc vous voyez ici, alors l'Ukraine a été plutôt décevant. Dans attention à les Pays-Bas sont arrivés en finale. Ils ont perdu hier le match à la troisième place contre l'Allemagne. La Serbie et l'Écosse qui sont arrivés en quart. Voilà, ils ont tenu leur rôle. Et aussi l'Autriche qui est arrivée en quart de finale. J'aurais peut-être pu les monter d'un cran. Bon, il faisait partie des outsiders, mais j'aurais peut-être pu les monter d'un cran parce que vraiment l'Autriche a été vraiment belle. Exactement, l'Autriche est arrivée en quart de finale. Elle a posé beaucoup de problèmes à l'équipe de France dans le quart de finale. Donc c'est sûr que la France, eh bien, s'en est très très bien sortie contre l'Autriche. Je pense que ça a été le match le plus dur, hein, de cette campagne. Alors, il y a le match contre l'Allemagne, mais le match contre l'Allemagne, il a été maîtrisé globalement, alors que ceux contre l'Autriche, c'était très difficile. Les Autrichiens nous ont tiré jusqu'en prolongation. Donc voilà, c'est pour ça a été très 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 difficile dans ce quart de finale. Et donc il faut essayer de rectifier le tir, hein, dans cette finale. Alors là, c'est plus que le tir. Là, c'est faire tout parfaitement pour gagner cette finale. Parce qu'en face, il y a un sérieux candidat, hein. Il y a le Portugal, champion du monde en titre, s'il vous plaît. Donc là, forcément, le Portugal veut faire un doublé. Il veut l'enchaîner sur un doublé avec 7 euros. Exactement, cette équipe du Portugal qui ne veut pas s'arrêter là. Le Portugal, donc, déjà champion du monde en titre, qui avait battu donc l'équipe de France lors du match des huitièmes de finale, on l'a évoqué tout à l'heure, contre dans le match des huitièmes de finale, on l'avait évoqué tout à l'heure. Voilà, c'est tout simplement le Portugal qui peut faire, ce qui peut devenir un Portugal qui peut être historique. Ben oui, un Portugal qui peut dominer le football mondial, tout simplement, avec un peu plus cette Euro qu'ils peuvent remporter. C'est après cette Coupe du Monde en 2022, eh bien, au mérite, hein, parce que voilà, le Portugal a été offensivement impressionnant pendant la Coupe du Monde. Ça a été encore le cas, hein. Alors ça a été un peu moins le cas à cet Euro, parce que voilà, en poule, voilà, les Portugais ont eu plus de mal. Ils ont fini premier malgré tout, mais ils ont eu plus de mal qu'à la Coupe du Monde. Mais voilà, ils ont fait une belle phase finale quand même, en renversant les Pays-Bas qui ont failli se retrouver en finale. Mais malheureusement pour eux, et eh bien ça s'est terminé sur un doublé de Ronaldo, donc Ronaldo qui sera le facteur X, c'est forcément de cette équipe portugaise. Donc voilà, c'est vraiment cette équipe du Portugal peut tout simplement être record dans cet Euro, en remportant donc un deuxième championnat d'Europe à la suite d'une Coupe du Monde. Voilà, ça serait tout simplement, ben, extraordinaire, ce qu'il ferait. Il ferait comme l'Espagne en 2012, quand ils ont remporté l'Euro contre l'Italie. Donc voilà, c'est tout simplement, ben, tout ça qui pourrait faire que le Portugal peut devenir une équipe absolument historique après cette finale. Exactement. S'il le remporte, évidemment, et ça serait tout simplement le deuxième championnat d'Europe remporté par les Portugais après celui, donc en 2016, contre la France en finale, en France en plus. Donc voilà, ça a été quand même très douloureux pour l'équipe de France, cet épisode-là. Mais le Portugal peut le faire. Le Portugal a les armes pour le faire. Ils ont beaucoup de jeunes talentueux, cette équipe portugaise. Donc, ils vont nous mettre à mal ce soir. Et on espère évidemment qu'on saura les canaliser, évidemment, le plus que possible. Parce que vraiment, il y a des très bons joueurs. Exactement, Leao qui a été buteur en quart, par exemple. Voilà, Palhinha, très bonne sentinelle. Il y a aussi. Alors, on reviendra sur la composition plus tard. Mais voilà, des très bons joueurs. Ronaldo qui montre qu'il est encore en forme, qu'il est encore là à 30. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fou ce que fait le Portugal. Ils peuvent vraiment s'accrocher à une histoire qui serait très très belle pour eux. Exactement, parce que le Portugal aussi avait connu des désillusions avant ça, dans les buts tchèques. On se souvient cette finale
ils ont connu un France-Portugal. Hein. En 2004, face à la Grèce, où ils perdent 1-0 chez eux à domicile, ça a été vraiment une défaite terrible pour eux, pour le jeune Ronaldo à l'époque, qui a bien pris sa revanche en 2016, qui a bien pris sa revanche en 2022. Il y a aussi eu donc cette finale 2006, la Coupe du Monde 2006, où les Portugais se font éliminer en demi-finale par l'Allemagne. Donc voilà, c'est quand même une histoire, voilà, une belle histoire, plus que de voir le Portugal bien revenir au sommet comme cela et surtout effacer des certaines désillusions et qui peuvent effacer ce soir. On va juste dans quelques instants revenir sur l'équipe de France pour parler des compositions. Vous voyez évidemment l'équipe de France qui est donc tenant du titre de cette Euro 2024, qui est donc pour l'instant en finale, qui peut être sacré champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive, pour faire comme l'Espagne, en 2008 et 2012, sans Coupe du Monde entre-temps. Vous voyez Mbappé, le meilleur buteur de cette Euro 2024 à l'échauffement. La composition, vous la voyez, donc ça sera donc un 4-3, un 4-1-2-1-2. Avec notamment bien Laurent Gamir, avec Kamavinga. On a choisi un créateur à la place de Rabiot dans ce milieu de terrain. La défense, elle n'a pas bougé, c'est la même depuis le début de la compétition. Mais surtout Griezmann qui retrouve une place de titulaire en milieu de terrain. Alors Didier Deschamps l'a ménagé hein, en demi-finale puisque il a eu voilà des gestions une gestion particulière par rapport à la Coupe du Monde. Donc voilà, Griezmann donc va être dans le rôle de numéro 10 derrière Mbappé et Colomani, donc le buteur de la demi-finale sera reconduit au du capitaine et meilleur buteur de l'équipe de France. Donc meilleur buteur évidemment dans cet Euro hein. Donc voilà, ça peut être quelque chose de là, c'est fort. Exactement, Mbappé, vous le voyez donc le capitaine avec toutes ces statistiques que nous laisse EA Sports. Le banc des remplaçants, vous le voyez donc il y aura Thuram, Barcola. Donc j'ai pris les remplaçants par rapport au quart de finale qui a eu lieu dans la réalité entre les deux équipes. Donc qui est rentré, qui n'est pas rentré. Voilà, vous voyez donc un banc à peu près semblable à celui-là. Donc il n'y a pas Rabiot, donc Rabiot qui ne sera pas sur le banc ce soir. Donc j'ai pris à la place de Barcola parce que tiens, de base, ça va être Dembélé et Thuram. Donc voilà, ce sont des remplaçants qui auront des rôles à jouer, évidemment. On va passer à la compo du Portugal. Les Portugais, vous voyez Bernardo Silva, qui sera l'un des dangers de cette rencontre, qui est à l'échauffement. Le Portugal sera aussi en 4-3. Exactement, 4-3, semblable avec donc Ronaldo. Donc c'est le même 4-3 hein, qu'il y avait eu contre l'Écosse, qui avait eu contre les Pays-Bas. Donc voilà, on sent des Portugais sûrs de leur force. Et aussi bien Bruno Fernandes, qui a été réintégré puisqu'il était suspendu pour la demi-finale. Donc le revoici titulaire. Et le banc des remplaçants, et bien voilà, c'est du très classique. Le banc des remplaçants, mais je veux dire, le reste de l'équipe, c'est du très classique, hein. Voilà, vous voyez Jota, Félix, qui peuvent rentrer, qui peuvent se faire mal. Alors, Ruben Neves, qui était titulaire de la finale de la Coupe du Monde, qui avait fait une masterclass avec 3 passes décisives. Et bien, le voici sur le banc contre Sao, le crack. Et notamment le fils de Sergio Contessao, qui sera sur le banc. Nelson Semedo, Inacio, voilà, c'est une équipe très solide qui peut être championne d'Europe aussi, le Portugal. Pour revenir sur le 11 titulaire, hein, voilà, tout simplement, Leao, très dynamique, avait marqué en quart de finale encore contre l'Écosse. Ronaldo, donc forcément le capitaine, qui peut être meilleur buteur, donc forcément, duel évidemment à distance entre Mbappé et Ronaldo pour le Golden Boot à la fin de cet Euro. Silva à droite, voilà. Et sinon, la défense, ça ne change pas. Pep, toujours là, l'expérience. Ruben Dias, Cancelo, voilà. Et Vitinha aussi, qui fait un très très bon Euro, qui est toujours là, au milieu de terrain. Exactement. Merci pour toutes ces précisions. Je vais donc vous laisser avec la vidéo de la cérémonie d'ouverture, avec les chansons de la cérémonie d'ouverture. Et on se retrouve donc pour le coup d'envoi de cette finale. À tout à l'heure. Vacation.
Ça y est, nous y sommes. C'est le très très grand moment de ce championnat d'Europe. C'est la finale, le 52e et dernier match de cet Euro France-Portugal. La finale de cet Euro 2024. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes aussi impatient que moi, parce qu'évidemment, on va vivre un très très grand moment de football. Vous voyez ce trophée que la France tient entre ses mains pour l'instant. Mais évidemment, il faut le garder. Et pour ce faire, il faut gagner cette finale contre le Portugal. Vous voyez l'entrée des joueurs avec Mbappé et Ronaldo, les deux capitaines de route qui vont se disputer le Golden Boot. Et on va donc commencer avec la Marseillaise dans quelques instants ici à l'Olympia Stadium. Et maintenant, on va passer à l'hymne portugais, la portugaise. Le visage très concentré de Cristiano Ronaldo après cette hymne nationale et les supporters qui sont en fête. Et vous voyez ce trophée convoité par les Français et les Portugais. La composition de l'équipe de France, ce sera un 4-1-2-1-2 pour les hommes du Didier Deschamps. Vous avez vu donc la composition tout à l'heure. Donc Tchouaméni a été reconduit en sentinelle. Camavinga, Kanté seront ensemble en milieu de terrain. Griezmann en numéro 10. Mbappé, Colomani pour l'attaque. Voilà, c'est tout simplement l'équipe de France donc face à son histoire qui veut braver une quatrième couronne européenne. Et en face, c'est bien le Portugal. En veut une deuxième face à ces Français. Les champions du monde portugais, après la Coupe du Monde, ils veulent enchaîner avec cet Euro et cette finale qui veulent gagner. Le Portugal donc sera aussi en 4-3-3. Diogo Costa, évidemment. Et évidemment, l'équipe, c'est la même hein, que depuis le match. C'est la même que contre l'Écosse avec Bruno Fernandes, évidemment. De retour, et le trio d'attaque ne bouge pas. Léo, Ronaldo, Silva, pour l'attaque portugaise. Et donc, dans quelques instants, cette 17e finale du championnat d'Europe va débuter. À tout de suite.
Thank you.